Fin de cavale pour Saïf el-Islam Kadhafi. Capturé dans le sud libyen, près de la ville d'Obari, c'est dans une tenue traditionnelle de Touareg que le dernier fils du dictateur libyen défunt, encore recherché, a été présenté aux caméras. Conduit par avion à Zintane, il a été pris à partie par la foule à son atterrissage. Il est apparu en bonne santé, en dépit de bandages aux doigts. Saïf el-Islam aurait été blessé il y a un mois lors du bombardement de son convoi, alors qu'il fuyait Bani Walid, bastion du régime. À Tripoli, l'annonce de son arrestation a été accueillie par un concert de klaxons, des cris et des tirs de joie. Se pose à présent la question de son jugement. Ils ont volé nos richesses, les richesses de la Libye. Ils ont tué de jeunes Libyens et violé des femmes. Il faut qu'ils soient jugés en Libye, c'est essentiel. Un avis partagé par le Conseil national de transition. Saïf el-Islam encourt la peine de mort en Libye. La Cour pénale internationale souhaiterait le juger à La Haye pour crimes contre l'humanité. Le procureur de la CPI se rendra en Libye la semaine prochaine.